Dans cette vidéo, découvrez comment expertiser une voiture importée d'Allemagne. L'achat d'une voiture d'occasion en Allemagne est une option intéressante pour ceux qui souhaitent trouver un véhicule de qualité à un prix avantageux. Toutefois, pour éviter les mauvaises surprises et s'assurer que l'automobile répond bien aux attentes, il est important de procéder à une expertise avant de conclure la transaction. Premièrement, des vérifications de l'état général du véhicule sont effectuées, qu'elles concernent la carrosserie, la mécanique ou l'électronique. Deuxièmement, la vérification de la conformité aux normes françaises, qui inclut la vérification des équipements obligatoires et le respect des normes anti-pollution en vigueur en France. Maintenant, les points clés à vérifier lors de l'expertise d'une voiture allemande sont le kilométrage, les papiers du véhicule, l'état mécanique et également l'état de la carrosserie et des pneumatiques, car cela peut affecter la valeur et la sécurité du véhicule. Une fois l'expertise réalisée, vous devez obtenir une plaque d'immatriculation provisoire pour circuler légalement en France en attendant d'obtenir la carte grise définitive. Effectuez la demande de carte grise française dans un délai d'un mois après l'achat du véhicule auprès de l'ANTS. Et n'oubliez pas de souscrire une assurance auto obligatoire pour pouvoir rouler légalement en France. Pour plus d'informations, tapez sur Google Gaillard Auto Guide pour découvrir nos conseils et astuces. Si vous craignez d'acheter une voiture avec un vice caché ou vous sentez incapable de vérifier le véhicule vous-même, confiez cette mission à Gaillard Auto et rejoignez plus de 2000 clients qui ont déjà utilisé nos services. Nous espérons avoir pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo.